Oxygène. Oxygène. Le Zoom Montagne. Et le meilleur de l'actualité montagne. Chaque matin, c'est le Zoom Montagne de Victor Dejoigny. Dans Good Morning Oxygène, on entame une semaine spéciale record du monde en ski, Victor. Et un record du monde insolite a été battu par les Russes récemment. Alors, ce record du monde s'est évidemment déroulé du côté de la station olympique de Sochi. Et c'est un défi assez fou et décalé. Près de 1200 Russes se sont présentés dans la station de Sochi, ancien hôte des Jeux Olympiques d'hiver en 2014, on le rappelle, pour tenter de battre le nombre de skieurs en maillot de bain sur les pistes à l'occasion du carnaval Boogle Woogle. C'est génial. Heureusement pour eux, la météo était au beau fixe ce jour-là. Et on aurait cru se trouver à la plage vu le nombre de personnes vêtues seulement d'un maillot de bain ou d'un bikini pour venir dévaler les pistes de Sochi. Et les Russes qui sont des habitués de ce type de record. Exactement, puisque l'an passé, c'est déjà eux, déjà du côté de Sochi, que le record avait été battu avec 1008 participants. Cette année, ce sont donc près de 200 personnes en plus qui se sont présentées. Le phénomène prend de l'ampleur chaque année puisque le record en 2015 en Sibérie était de 500 personnes. Deux ans plus tard, on se retrouve avec presque le triple de participants. Et évidemment, il reste quelques détails avant l'officialisation de ce record. Et la performance sera validée une fois qu'elle aura été homologuée par l'association Guinness World Records qui gère toutes sortes de records. Voilà, donc avis à nos responsables animation dans les stations de ski pour vous faire un petit peu de pub. Vous savez ce qu'il vous reste à organiser. Aller-retour du Zoom Montagne. Un nouveau Zoom demain entre 7h et 9h dans Good Morning Oxygène.